Le stand du club, il est là. Là, il y a la buvette. Et ça, c'est les tables. Et c'est là qu'on va manger. Mais on ira chercher... Ah, mais c'est Miss Zoé. Mais on ira chercher nos pizzas. Je zoome sur la Miss. Voilà. Les Alrendo, les motos. L'AMG de moi. Et la Porsche Taycan de... Taycan Turismo, Cross Turismo. Voilà. Voilà, ça c'est la MG4 Luxury que Jean-Marc s'est fait prêter pour le Luxury. X-Power que Jean-Marc s'est fait prêter pour le Rallye des Châtaignes. Je voulais juste vous montrer, mais on voit pas grand chose à l'intérieur, parce qu'il y a un deuxième moteur. En fait, d'habitude, là, il n'y a rien, c'est tout vide. Voilà. Là, on voit l'électronique. En fait, c'est pas évident, mais en fait, c'est tout plein sous le cache en plastique, quoi. Et sinon, quand on ouvre comme ça, on dirait vraiment, je veux dire, ça fait aucune différence, quoi, avec le cache. Voilà, donc ça, c'est la version méchante de la MG4, que vous pouvez admirer encore pour quelques heures à Vals-les-Bains, au salon de l'auto, au départ du Rallye des Châtaignes.
Bonjour monsieur Poinpoin, c'est un petit arrêt photo avant de repartir. On est le dimanche 10 septembre, c'est le rallye des châtaignes, là vous voyez, c'est les monts d'Ardèche. On est à 7 km au-dessus de Montposa, 10 en dessous de Saint-Cyr. On est 5 motards électriques, 20 voitures. C'est pas le lac d'Issarlès, mais c'est le rallye des châtaignes. Ça, c'est une retenue d'eau à la Palisse. Voilà, là, on s'est regroupé avant d'aller au restaurant. Sacré bagnole, la Ioniq 6, ça aussi. Hein. Moins ostentatoire que la Porsche, mais... De derrière, on dirait un peu une Porsche. Les gens en bleu. Les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. J'ai pas osé la faire, celle-là. On est blanc la prochaine fois. J'ai pas osé la faire, celle-là, Fabien. Voilà. Nous allons interviewer le vainqueur auto du rallye des châtaignes. Alors, quelle consommation? Je sais pas. Voilà, donc elle sait pas. Ah si, je sais. Tita, quelle consommation? Je peux te dire, jusque-là. Voilà. J'allais voir sur ma moto. Et nous avons également Gandalf du Seigneur des Anneaux, je vous le présente. Oh, elle est belle ce MG noir là. J'étais content de la suivre en moto. Et la Tesla de Monsieur Semaria de Faux. Admirez-la sans autocollant, elle va bientôt avoir des choses à mon avis. Salon de l'auto de Vans à la fin du rallye des châtaignes. Ouais, c'est la fin du salon aussi. Hein. Voilà, la plupart des concurrents sont partis. Il reste encore quelques véhicules, dont la Kona de la vainqueur, la gagnante de l'Eco Challenge. Ah, moi j'aime bien. Voilà nos participants. Auto et moto. La Ioniq 6, la Ioniq 5, c'est à quoi ça? C'est un Niro. Une Kona derrière, Peugeot. Ah, c'est bon, c'est dommage. Les Miss Ardèche, elle est plus là. Là, le Rendo qui charge, moto électrique. Hein. Ah, il est sportif le nouveau Kona. Hein. Alors, ça, c'était une Rendo. C'était une participante du rack. Et le casino de Vals, le parc du casino qui nous accueille. Très joli endroit si vous avez l'occasion pour venir au casino de Vals-les-Bains. C'est un joli cadre.
la buvette où on a mangé hier soir. Vous avez fait les pizzas. Voilà, et le stand du e-France Café qu'on va bientôt plier.